Bien le bonjour, juste avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore. Je n'ai pas encore récupéré mon microphone, mais ça ne saurait tarder. Du coup, la semaine prochaine, attendez-vous à une vidéo de meilleure qualité sonore. Donc, ceci étant dit, je peux vous dire, je peux vous souhaiter, pardon, un bon visionnage sur cette, entre guillemets, photo, cette capture d'écran plutôt, de ma chaîne. Qui avait 34 abonnés, maintenant j'en ai 37. Excellent. Un grand merci à vous. Donc, voilà. Cette pré-intro est beaucoup trop longue, je trouve. Vous trouvez pas? Bref. Donc, je vous dis, bon visionnage de la vidéo. Putain, je fais une intro aussi longue que celui-ci, ça ne va pas du tout. Bon, allez, peace! Hey, what's up, people? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur What? Donc, ça fait plaisir, je retourne sur What parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Avec mon ami Papillon Nudiste, on s'est rappelé, voilà, et on s'est rappelé que What c'était pas mal. Du coup, on l'a retéléchargé, on a repris notre sauvegarde, et j'ai une idée de dingue qui consiste en vous apprendre comment gérer plusieurs types de chars. Donc là, je vais être avec un T25 qui est donc en char allemand. Tir 5 moyen. Je vais d'abord vous apprendre à gérer les moyens parce que c'est tout simplement les chars de base à savoir gérer. Donc en moyen, sans blindage, moyen. En canon, soit bon, soit moyen. Une vitesse moyenne, c'est en char moyen en gros, hein. Donc en moyen, là on a notre ami Papillon Nudiste qui joue en autre moyen, mais que je trouve que physiquement parlant, il n'a pas la tête dans le moyen, c'est-à-dire c'est une édition spéciale, c'est le Scavenger. Donc le rôle dans moyen, principalement, c'est d'appuyer les lights. On aura aussi un tuto qui viendra jeudi prochain sur les lights. Ceci, c'est fait, c'est dit, hein, voilà. Donc, je suis sur mon comeback sur YouTube. Ça me fait vraiment trop plaisir de re-record chez moi. Oh, ça fait trop bien. Ça fait trop du bien. Donc, il faut après pousser les adversaires à tirer sur nous. Donc, de préférence qu'ils ricochent ou qu'ils ratent leur tir. Hein, parce qu'en les faisant tirer, on aura un avantage sur le temps. C'est-à-dire qu'on pourra venir dans le camp de l'adversaire si l'adversaire est tout seul. Et le mettre une balle pour après se recacher et soit le circuler et tout. Mais on verra les techniques un peu plus tard. Pas dans la vidéo, mais un peu plus tard dans les vidéos tuto. Hein. Voilà. Donc, déjà, si le concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Je vous fais confiance. Il faut activer la cloche des notifications parce que c'est très important. Sinon, vous allez jamais être au courant de mes sorties de vidéos. Donc là, on essaie de percer la ligne. Et du coup, là pour l'instant, ça marche pas trop bien. Mais vous allez voir que quand on s'y met bien, c'est-à-dire lui, il va un peu sacrifier entre guillemets. Là, on a un allié en plus. Du coup, là, on peut foncer. Donc là, clac. Là, j'ai fait un tir nul. Donc aussi, de penser à liker et à commenter du coup. J'ai déjà dit liker ou commenter, mais je sais pas. Je sais pas lequel j'ai dit des deux. Comme ça, je sais que j'en ai dit deux. Donc là, hop, on en a tué un, c'est bien. Là, la ligne est dégagée parce que les autres, ils sont low life. Donc, on se met plutôt bien. Là, j'ai encore loupé le tir, mais c'est parce que ma tourelle, elle est très très lente. Et j'étais pas trop habitué. Bon. On a The Death of Steel qui est Papillon Nihiliste, donc ça c'est cool. Hop là, ça c'était le mien. Voilà. Donc en gros, c'est les chars moyens. Ils sont faciles à maîtriser, à faire éventuellement des petits dégâts dessus et tout. Mais très durs à maîtriser parfaitement. Parce que c'est des chars à la fois faciles et à la fois extrêmement compliqués. C'est-à-dire pour vraiment faire des gros gros scores comme du 1700 en tier 5, faut y aller fort. Hein. Faut franchement y aller fort.
Mais sinon, je dis pas que moi, je suis un pro gamer de char moyen. Je dis pas que Papillon Ludiste non plus. Mais je sais qu'on peut vous apprendre à gérer un peu mieux, ou même à apprendre tout court à jouer à World of Tanks en jouant char moyen. D'ailleurs, il y aura tous les types de chars, c'est-à-dire il y aura les chars légers, les chars lourds, les chars TD, les chars moyens qu'on est en train de faire actuellement. Donc là, la game, bon, pour moi, c'est une game moyenne. Pour Papillon Ludis, c'est déjà une très belle game. Voilà, donc félicitations à lui. Je tiens juste à vous préciser que il va y avoir un truc assez ouf. C'est que ça va être une série de 4 ou 5 vidéos. Non, 4, vu qu'il y a 4 types de chars. Mais 5 vidéos dans le sens où il y aura peut-être aussi des bonus et tout. Donc, le prochain truc portera sur, attention, les chars légers. Hop là. Les chars légers, je viens d'en acheter un pour vous, ça va être le Léopard. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était Willex. Peace! J'avais pris une capture d'écran assez récemment avec 344 vues. Genre, c'était assez récemment, je pense que c'était il y a 2 semaines où je tourne la vidéo, c'est-à-dire environ 3 semaines depuis que. Enfin. Lors de la publication de la vidéo, voilà, j'arrive plus à m'exprimer parce que j'ai fait 4 voix off. Et du coup, alors, là, on est sur du 344 vues. Et là, je vais vous montrer aujourd'hui, le suspense n'attend plus. Attention! 400 vues! Enfin, 403, mais c'est pareil. Du coup, un grand merci à vous. Allez, peace pour de vrai cette fois.